Bonjour à vous. Nous venons de subir plusieurs mois de semi-obscurité à cause des tempêtes de poussière, ainsi que de nombreuses avaries pour lesquelles nous soupçonnons qu'elles seraient liées à des sabotages, et nous faisons souvent face au stress de l'urgence. Le moral des nouveaux colons est encore assez bon, mais il décline. La terre commence à nous manquer. Jusqu'ici, les lunettes d'augmentation de réalité sont efficaces, mais cela ne remplace pas l'odeur d'une fleur, le bruit d'une rivière, le cri guttural du grand caribou en rut dans la forêt boréale, ou le toucher des herbes folles d'une prairie grasse. Votre mission est donc de trouver des moyens pour reconstituer ici, sur Mars, dans notre nouvelle grande sphère ou dans un des dômes, un espace naturel de type terrestre, avec une certaine biodiversité autonome, à l'image de l'expérience Biosphère 2 qui a cependant eu lieu il y a presque un siècle. Angelo Humic, en fonction de la qualité des sols réalisables sur Mars, déterminez quelles plantes seraient les plus adaptées. Inspirez-vous des expériences de culture de végétaux sur les volcans d'Hawaï. Matt Whitney, Jamie Libet, sélectionnez les plantes et animaux à mettre dans cet espace en fonction des conseils d'Angelo Humic et testez cet écosystème dans un dispositif miniature. Matoussa Pousse, précisez les paramètres physico-chimiques nécessaires à la mise en œuvre d'un espace de biodiversité autonome. Lumière, température, humidité. Pensez à tout. Établissez un plan global d'une telle installation, incluant vos expertises. Nous le mettrons en œuvre dès qu'il sera prêt et validé. Ceci est un ordre pour mission.